leur terre d'origine, deux frères libanais ont pris la mer sur le détroit de Calais. Devant, c'est pas encore clair. Tous les deux sont commandants de ferry pour la même compagnie. L'aîné à la passerelle du Rodin, le plus jeune sur le Berlioz. Après des études suivies à l'école de la marine marchande du Havre, ils effectuent l'un et l'autre une dizaine de rotations quotidiennes entre Calais et Douvres. Au Liban, c'est un petit pays. Pour nous, moi j'ai toujours entendu ça, il n'y a qu'une seule brouée de sauvetage, c'est faire des études. Faire des études, c'est travailler. Travailler, c'est réussir son travail. Je suis arrivé au Havre, je ne connaissais personne, c'était une solitude absolue. Pour moi, c'était très sombre. C'était quelques musiques que j'ai ramenées avec moi en arabe qui me consolaient. Mais après, je me suis fait parce que bon, j'ai dit voilà, j'ai une mission, il faut l'accomplir. L'accomplir, c'est essayer d'avancer. Alors, le passage donc, vers la Manche et puis ces eaux grises est des fois assez difficile parce que, à vrai dire, la Méditerranée, quand même, c'est une mer assez particulière, assez chaleureuse, je dirais. Et puis ici, vous tombez dans des courants froids, dans du mauvais temps. Mais si vous voulez, on s'y habitue. Je peux vous assurer que il n'y a pas une traversée qui est identique à l'autre. D'un point de vue gestion nautique et gestion météo, gestion des passagers, tout ça. Donc tous ces éléments-là viennent annuler cette éventuelle monotonie dans le travail. Tous les deux sont nés dans un petit village des montagnes moyen-orientales. En France, on les surnomme les Phéniciens du Détroit, en souvenir des marins de l'Antiquité qui dominaient la Méditerranée. On est effectivement dans la proximité géographique, mais on se croise. Donc, quand on est embarqué, c'est vraiment, on se croise. Bon, on sait d'après les plannings de travail que je suis à bord, elle est à bord. Je sais aussi quand il entend mon numéro de commandant, donc la licence de pilotage. Et puis, quand j'entends la sienne, directement, c'est le frangin. On est tous les deux sur des navires qui sont identiques, mais avec des gestions qui sont chacun à son petit point de vue. Moi, je suis très, très fier de lui, en fait, de ce qu'il fait. Et il n'y a aucune jalousie ou de la concurrence ou de la compétition. En fait, avoir un frère dans la même société, déjà, c'est pas anodin. C'est un plaisir, quand même. C'est un pilier. La compagnie My Ferry Link a déposé son bilan à la fin de l'été 2015, mais les deux frères continuent à régner en maître sur le détroit de Calais. Loin de leurs montagnes, mais fiers de naviguer sur cette zone maritime qui est aujourd'hui la plus fréquentée de toute l'Europe.